Do you want to say something Buck? Do you want to say something? You want to say something? Where's the ball? Where's the ball? Where's the ball Buck? Where is the ball? Where is the ball? Come on. Come on, Buck. Where's the ball? Salut toi, salut Cracotte Cracotte.

il y a juste un truc que j'aimerais te dire c'est qu'en ce moment si tu, si tu lis un peu les trucs qu'il y a sur Facebook et tu suis un petit peu les, les actualités de la chaîne tu dois te dire mais Egon what the hell tu vois genre c'est quoi ton délire tu t'es reconverti en chaîne fitness ou quoi parce que c'est vrai que je te parle beaucoup de je te parle beaucoup de backflip je te parle beaucoup de sport de, de programme, d'entraînement et tout je te parle même d'être de, 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 vegan et de quoi bouffer tu vois alors Egon tu, tu deviens un mec healthy pas healthy tu vois c'est quoi le délire mais écoute c'est juste que Enfin, je sais pas comment expliquer, tu sais. Genre, même moi, je suis un peu surpris de ce changement. Mais tu sais, là, je suis à la ferme et, et, et j'ai l'impression que ça fait un truc sur moi. Tu vois, je sais pas, je sais pas trop comment t'expliquer, mais ça a vraiment un effet sur moi. Je sais pas si je suis en focus parce que l'appareil est assez loin là-bas. Du coup, j'espère que je suis en focus, mais ça a vraiment un effet sur moi et ça me. Enfin, tu vois, à la ferme, tout est vert, tout est simple, c'est très, tout est très naturel. Tu vois, je veux dire, les animaux, ils se prennent pas la tête, ils se parlent pas. Le... Tu vois, personne ne parle dans ton dos, personne te fait chier comme dans les autres tafs ou quoi. Et du coup, tu t'as pas trop de, je sais pas comment dire. Tu penses moins en fait. En fait, à la ferme, tu penses moins. Et du coup, euh, c'est vrai que je pense moins. Tu vois, je me prends un peu moins la tête. J'ai, j'ai pas trop envie de parler de développement personnel ou quoi. Et euh, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais c'est juste que tu sais, genre, euh, je sais pas comment t'expliquer. C'est la première fois que je me retrouve dans un environnement qui me qui, qui me pousse pas à penser comme ça et je me sens vachement bien et je sais que ça va pas durer parce que je vais pas rester éternellement ici. Du coup, j'ai envie d'en profiter un petit peu, tu vois. Alors je sais pas si t'arrives à comprendre ce que je veux dire. Peut-être que t'arriveras à comprendre si t'as déjà été dans une ferme ou si tu connais un peu la vie à, euh, comment dire dans la nature, tu vois, la nature à la campagne et tout. Mais c'est vraiment ça et les animaux, tu vois, les animaux ils te prennent pas la tête sur. Euh, sur combien il faut que t'économises ou sur euh, sur ce que tu veux faire dans la vie ou quoi. Tu vois, les animaux, ils s'en tapent. Tu t'arrives, tu, tu leur donnes de la paille, ils sont contents. Euh, les veaux, ils font, ils font des... comme ça, tu vois, ou plutôt les agneaux. Et, et c'est tout, quoi, tu vois. Et, et c'est ça mes journées. Genre là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait euh, Avec Léa, on s'est levé, on a fait une petite balade. Elle a pris un poney, on s'est baladé le long de la route. Moi, j'avais un vélo, tu vois. Et euh, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait aussi On a tondu quelques moutons noirs, tu sais. Et, euh, et euh, c'est pas facile la tonte des moutons hein. C'est pas facile mais ils en ont besoin ils, Ça leur fait du bien en fait Et ils peuvent avoir des maladies si on les tombe pas tu sais Avec les mouches et tout Enfin je vais pas rentrer dans les détails Mais du coup il y a des trucs simples quoi Et donc c'est vrai qu'en ce moment je te, je te parle un peu de fitness et tout Parce que du coup ça me, ça me pousse aussi un petit peu à, à me reprendre en main Tu sais j'ai vraiment décidé de me reprendre en main là ce matin Je me suis acheté un programme euh, d'un type que j'adore sur Youtube C'est le type qui m'a appris le backflip tu vois Il a créé un programme qui s'appelle... Euh, bodyweight beast c'est juste un programme avec le poids du corps tu sais j'ai fait un petit peu de musculation il y a un ou deux ans et euh, c'est pas trop mon truc la musculation et là j'ai commencé à découvrir un petit peu le enfin tu sais le parcours le faire des figures les flips et tout et ça, ça fait vachement du bien et, euh, et je me suis pris son petit programme là il a il faisait un programme à 30 dollars 29,99 dollars et je me le suis pris, c'est sur douze semaines et je vais un peu me reprendre en main, tu vois. Je vais vraiment construire du vrai muscle, tu vois. Parce que tout ça là, c'est, ça a peut-être un, un petit peu de gueule, mais c'est du faux, tu vois. Tout ça, c'est des restes d'avant. Et il est temps que, il est temps que je me reprenne un petit peu en main, tu vois. Donc voilà, t'inquiète pas, c'est juste une phase. Je voulais juste que tu le saches, tu vois. Mais euh, c'est bien d'avoir des phases dans la vie et, et c'est bien de pas se, pas se battre contre ça. Tu sais, ce matin, je me disais, mais euh, il faut pas que tu fasses ça, tu sais, même sur ta chaîne et tout. Euh, ce matin, je voulais te faire une vidéo sur comment apprendre à faire un backflip. tu tu vois. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire des vidéos sur des exercices un petit peu physiques pour qu'on apprenne un petit peu ensemble, parce que moi, je suis une, je suis une merde clairement, tu vois. J'ai toujours fait un petit peu des. Il euh, faut que j'arrête de dire un petit peu. J'ai toujours fait des, des entraînements un peu à l'arrache. Il faut que j'arrête de dire un peu, merde. J'ai toujours fait des entraînements à l'arrache sans vraiment me renseigner. Et bon, j'ai toujours gardé une forme physique, mais euh, je, suis, je suis pas du tout un pro, tu sais, de, de du mouvement et comment dire de ouais de, de la muscu ou quoi donc euh, je sais pas si ça si ça tente et je pense que je vais le faire en ce moment j'ai envie de faire ça tu sais il fait beau il fait chaud l'été revient tu sais moi ça fait huit mois que j'ai pas vu le soleil et l'été mince ça fait huit mois que entre l'Australie et le fait de bouger du nord au sud de l'Australie et bouger en Nouvelle-Zélande et bouger du nord au sud de la Nouvelle-Zélande. J'ai un peu fui l'été et là il commence à peine à arriver donc ça fait du bien, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de j'ai envie de bouger, tu vois les 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 idées elles seront pour après. Je suis toujours un mec enfin moi je suis un mec à idées, tu vois, donc je m'arrêterai jamais de penser, je m'arrêterai jamais de parler de de grandir, de de devenir meilleur et tout mais là j'ai envie de devenir meilleur mais sur un autre plan, tu vois, sur un plan physique et je me suis demandé je me, je me dis que peut-être que toi ça t'intéresserait aussi de te joindre à l'aventure parce que faut pas oublier que faut pas oublier que notre corps il est là, tu vois. Faut pas oublier que lui aussi il est là et aujourd'hui, euh, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. Je me rends compte qu'à, quand je suis à la ferme, je me rends compte que euh, le fait qu'il n'y ait pas toute cette information, le fait qu'il n'y ait pas tant de pensées, enfin, c'est un esprit sans penser tu vois. La ferme, c'est euh, un endroit où il y a beaucoup moins de pensées qu'ailleurs, tu vois. Je sais pas comment te dire les, les, c'est comme s'il y avait des pensées qui flottaient tu sais dans la ville et tout et le fait que tu t'es es dans un, un environnement une sorte d'aquarium de pensées mais bah forcément tu en gobes tu en manges tu en bois tu fais ce que tu veux avec mais tu les tu les stocks tu vois. Et la ferme il y en a pas trop, il y a de l'air, des animaux, il y a des trucs très très simples. Et, euh, et du coup, en fait, tu, ça te, ça te fait te, te concentrer, ça te fait te, te rendre compte que, ben, bah, il faut l'occuper ce corps, il faut le maintenir un peu, tu vois, il faut, comment dire, il faut l'entretenir, il faut apprendre être et tout. Et c'est une des, c'est une des, des super choses euh, euh, qui m'est arrivée ici, c'est de me rendre compte que, ben, bah, putain, j'ai un corps, tu sais. Genre, euh, ah, il a, il a peut-être besoin un petit peu de bouger, genre, il a peut-être pris un petit peu de gras, peut-être qu'il me dit ci, peut-être qu'il me dit ça, tu vois. Et il y a plein de trucs à apprendre sur notre corps, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui. Euh, vu que tout devient beaucoup, de plus en plus, euh, le monde ça devient de l'information aujourd'hui, la vie ça devient euh, un océan d'information, tu vois. Et euh, du coup, par conséquent, euh, toute notre attention, c'est comme si on prenait notre crâne, tu vois, qu'on le plongeait dans, dans l'océan d'information comme ça, et le corps il reste un petit peu sur le côté. Et parfois, de temps en temps, il a le droit à son petit temps, tu sais, quand on va à la salle ou quoi. Mais euh, c'est jamais sans plus quoi. Et, euh, et pourtant c'est tellement important enfin et, et on s'en rend compte parce que quand tu, dans, quand tu vas dans un endroit isolé c'est pas pour rien que quand tu vas dans un endroit isolé tu as des idées beaucoup plus fraîches tu sais parce que tu t'éloignes de tout ce truc de la pensée et tu te ressentes sur ton corps et t'as des idées beaucoup plus comment dire tu as des idées beaucoup plus corporelles tu as des idées beaucoup plus brutes beaucoup plus naturelles j'ai envie de dire et, et c'est ça qui se passe ici, tu vois. Donc voilà, c'est c'est ce que je voulais te dire. Et euh, et je sais pas, peut-être que ça te dirait de joindre l'aventure, tu vois. Moi, je vais me lancer à fond. Enfin, je ça a jamais été dans mon but de me censurer. Et je suis sûr que toutes les idées qui passent sont bonnes à prendre et bonnes à tester. Donc on va se lancer là-dessus, tu vois. En ce moment, je fais mon programme. Là, j'ai fait mon premier jour hier. Et, euh, et euh, peut-être que je vais te montrer des petits trucs, tu vois. Chaque jour, je vais te faire des vidéos sur euh, comment devenir un peu souple, une petite routine de 30 secondes que tu peux faire tous les jours, qui prend pas de temps pour euh, devenir souple en une semaine, des trucs comme ça, tu vois. Parce que je connais plein de trucs comme ça, un petit peu chelou que personne fait. Et, euh, et ouais, voilà quoi. Et sinon, je voulais te parler aussi d'un truc. C'est euh, du coup, c'était le sujet de la vidéo, mais au final, on va, y, on va y venir assez tard. C'est euh, comment, comment faire en fait pour. Euh, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'ennuient en fait. T'as plein de gens qui s'ennuient et euh, en fait on pense trop. Tu vois. on, on C'est pas qu'on pense trop, aujourd'hui on pense trop gros. C'est-à-dire que la plupart du temps, les pensées qu'on a vers des projets sont souvent des pensées trop grosses. C'est des pensées trop trop énormes, trop massives. Et euh, ce sont souvent des projets qui mettraient du temps à réaliser ou qui ont besoin d'un capital, tu sais, d'une certaine somme d'argent. Peut-être que c'est un truc à acheter, genre tu sais, je sais pas, tu veux t'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture. C'est un gros projet, mais tu vois, tu penses beaucoup, tu as beaucoup de trucs à réfléchir. Tu as la question de l'argent, tu la question de où tu vas garer ta voiture et tout. On pense trop, tu vois. C'est trop gros maintenant. C'est comme, enfin, c'est, tu c'est des trop grosses bouchées. Quand tu manges, tu as, as les gens qui mâchent bien. Qui mastique bien et t'as les gens qui, comme moi d'ailleurs, moi j'étais comme ça quand j'étais gosse et je le suis encore. Tu sais, j'oublie de mâcher. En vrai, j'oublie de mâcher et j'avale des trucs comme ça sans déconner, tu vois. Et c'est pas bon parce que ça, ça te constipe. Tu sais, si tu mets trop de gros trucs dans ton, si si tu, si t'avales trop de gros et dans ton estomac, il va galérer à digérer ça. Ça va te faire, ça va te rendre constipé ou alors ou alors à, à l'inverse, t'auras la chiasse, tu vois. Tu tu pourras pas aller aux toilettes et tout. Si tu mastiques des petites idées, si tu mets plus de petites idées, plus de trucs un peu simples, plus de trucs où tu dois pas te prendre la tête, ça va beaucoup, ça, ça va beaucoup mieux couler, ça va beaucoup mieux circuler. Euh, ton corps va être beaucoup plus content en fait, et c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que. Tu peux utiliser cette technique-là comme anti ennui si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, si t'es quelqu'un qui t'ennuie un petit peu, le problème c'est que peut-être que t'as beaucoup trop de grosses pensées en fait. C'est marrant, je pense que j'ai jamais entendu ça à nulle part. Mais euh, le concept de grosses et de petites pensées, mais c'est vraiment ça. Tu sais quand on dit euh, euh, tu, tu fais tu fais le tu, tu fais de ce projet une montagne, mais c'est exactement ça. C'est trop gros, tu vois. Et il euh, y a une méthode pour ça qui est géniale, c'est que euh, si t'es quelqu'un comme ça qui a trop de gros projets ou tu sais, des fois qui fait souvent des. Peut-être que des fois tu fais des, des gros burn-out, que tu peux pas t'arrêter de penser ou que tu peux pas t'arrêter de t'imaginer des trucs que tu veux et tout. Il euh, y a une méthode qui consiste à. Il y a une méthode qui consiste à mâcher plus, tu vois, à mastiquer et à, à se permettre de manger des trucs un peu plus petits. C'est difficile à faire au début parce que. On a l'impression qu'on régresse, en fait, quand on, quand on a des moins gros projets, ou quand on pense moins, ou quand on fait moins de recherches, ou quand on lit moins des bouquins, tu sais, c'est aussi valable pour les bouquins que tu lis. Si tu lis trop de bouquins et tout, c'est à rien, tu vois. L'information, tu l'assimileras pas. Au contraire, ça va te, ça va te cramer le cerveau, ça va amener à rien. Et au contraire de ça, ce que tu peux faire, c'est te, te nourrir avec des tout petits projets, des tout petits trucs. Et, euh, et ça c'est l'équivalent de c'est l'équivalent de ce que tu faisais quand tu étais enfant en fait de ce qu'on faisait quand on était enfant tu sais quand on était enfant on on, on réfléchissait pas à dix mille trucs tu vois on, on allait prendre une feuille un crayon on se mettait à dessiner tu vois et euh, ça c'est l'occasion c'est un truc que j'ai découvert il y a vraiment vraiment très très récemment c'est de de se passionner et de se de se garder un petit moment dans les journées pour apprendre des trucs tout bêtes, tu vois, mais que t'as toujours voulu apprendre. Comme moi, par exemple, pour les backflips, tu sais, je me suis mis cet objectif là, il y a un mois et demi, maintenant on était à Adelaide, je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire un backflip quand même, c'est bien stylé les backflips, tu vois. Et je me suis dit, allez, il y a rien qui m'en empêche, je veux dire, sur internet tu peux tout trouver, c'est quoi l'excuse, tu vois, je vais essayer trop de, d'arriver à faire un putain de backflip. En plus, je suis, je suis en forme, enfin, je devrais être capable de le faire. Et je me suis mis ce défi-là et petit à petit, bon, j'ai galéré, j'ai fait des gros face plants, j'ai mangé la terre, tu vois, des fois. Mais éventuellement, j'y suis arrivé. Et, euh, et c'est super intéressant de se mettre des petits défis comme ça. Ça peut être n'importe quoi, apprendre à cuisiner. Tu vois, tu te prends un, une recette de, de dessert que t'adores, tu vois. Le truc que tu acheté toujours, toujours chez Auchan Préfet. mais tu te dis tiens, je vais apprendre à le faire ce truc-là comme ça à chaque fois que j'en aurai envie ou alors tous les week-ends après mon, mon sport ou quoi, bon peut-être pas, tu vois. Si tu fais du sport, t'as pas envie de bouffer un, un brownie derrière, tu vois. Mais je sais pas moi, à chaque grande occasion, mais je saurais le faire moi-même. Je pourrais dire qu'il est fait maison, qu'il est made in chez moi, tu vois. Et, et voilà, et, et c'est des petits projets comme ça qui sont tellement, tellement. Tu sais, ça nous nourrit tellement en fait, des, des petits projets comme ça, parce que c'est des petites doses, des petits trucs. C'est, comment dire, c'est du progrès instantané, parce que tu progresses très, très rapidement quand tu te fixes des petits trucs comme ça, tu sais. Euh, je sais pas moi, si tu veux. As envie de te dire. Euh, euh, ok, dans, dans un mois j'ai envie de savoir dessiner un bateau, mais genre un bateau bien tu vois. Mais tu vas vachement progresser entre le jour 1 et le jour 2. Si tu passes à chaque fois une heure à, à regarder des vidéos sur YouTube, à essayer des croquis et tout, le progrès il va être phénoménal, bien plus que le progrès que... Qui aura quand tu vas essayer de chercher de trouver la bonne voiture pour ta prochaine truc ou, ou d'investir dans le dans le bon truc immobilier Enfin, je te parle de truc, t'es sans t'es sans doute pas là dedans Je trouve pas d'exemple, c'est pour ça que je te dis de la merde, tu vois. Mais euh, le progrès, il est beaucoup plus rapide dans ces trucs-là et c'est tellement nourrissant et, et c'est le meilleur moyen pour jamais s'ennuyer dans sa vie de toujours se lancer des petits défis. Tu sais, moi là, je suis en mode Yamakasi, je suis en mode ninja, tu vois. Là, le backflip, il commence à peu près à rentrer. Du coup, je sais déjà quels tricks je vais faire ensuite. Mais moi ça me passionne un petit peu de devenir un peu un ninja, enfin tu sais moi je suis un grand fan de Naruto, euh, si je pouvais faire un multiclonage, je sais pas si tu connais Naruto tu vois, mais si je pouvais me cloner et faire un, une boule de chakra et te la balancer dans la gueule, enfin je serais le mec le plus heureux. Bon je peux pas faire ça mais je peux peut-être apprendre à faire des backflips et des trucs comme ça et moi ça me rend dingue tu vois. C'est génial parce que parce qu'en 15 minutes tu regardes ta vidéo et ce qui est génial en plus de ça c'est que tu sais contrairement à l'école où tu peux pas choisir tes profs ou et tu sais à quel point les profs sont un, sont importants dans euh, quand tu apprends un truc Attends je vais juste je vais juste éteindre ça parce que ça va bientôt s'arrêter on va recommencer tout de suite Ouais je te disais tu sais à l'école comment les profs c'est important et, et à quel point, enfin t'as sans doute eu, as sans doute déjà eu des profs qui t'ont fait adorer une matière une année et l'année suivante t'as as eu un gros prof à la con et, et tout de suite t'as décroché ou l'inverse, t'as toujours eu un prof euh, fin, des profs de merde en maths tu vois et une année t'as eu un super prof en maths et... Et, euh, et, euh, et, et tu te mets à adorer les maths. Moi ça a été ça en terminale J'ai eu vachement de chance. J'aimais pas trop les maths avant. Je me suis toujours un peu débrouillé. Mais au final en terminale j'ai eu un super prof. J'ai eu 18,5 au 20. Et 18,5 et au bac. Enfin tu vois, le truc de ouf quoi. Donc c'est super important les gens qui t'apprennent comme ça. Et ce qui est génial, c'est que pour trouver tes, pour pour pour, pour toutes tes mini passions, tu vois, pour pas t'ennuyer et tout, euh, sur internet, tu peux choisir tes profs, tu peux tout à fait trouver le prof qui te convient. Par exemple, moi, pour les backflips, je suis tombé sur la chaîne d'un mec qui apprend des tricks comme ça. Et le truc, c'est que des chaînes, il y en a des milliards, mais celui-là, je l'adore. Il a du charisme, c'est un Américain, il, il a mon âge, je crois, tu vois. Et il est super bien gaulé, il, il a il a un humour, mais enfin moi, ça me fait mourir de rire. Et, et ces vidéos sont géniales en même temps, tu vois. Je sais pas si je filme là, j'espère que ça filme. Ah oh, bon sang, j'y crois pas, la vidéo s'est arrêtée carrément, tu sais. Genre, franchement, j'en ai marre de cet appareil. En plus, en ce moment, je regarde pour m'en acheter un nouveau, alors ça, c'est vraiment un bon signe, tu vois. Je vais m'acheter un réflexe, mais je peux pas l'acheter maintenant, je vais me l'acheter quand, euh, quand je serai en France, tu vois. Mais j'ai envie de changer d'appareil, j'ai lu pendant trop longtemps. Bref, juste pour terminer, parce que ça fait déjà trop longtemps que je te parle, j'imagine. Et t'as as des trucs à faire ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, je sais pas quand tu regardes, tu vois. S'en fout d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu t'es trop con des fois. Bref, je voulais te dire que, enfin, tu sais, les profs c'est tellement important. Et ce qui est génial, c'est que sur internet, tu, enfin, tu vois, trouve-toi, trouve-toi un truc que tu as envie de faire depuis que t'es tout gosse, je sais pas, moi, apprendre à apprendre à faire du cheval, apprendre à faire du vélo. Tu sais, moi, je connais plein de gens qui savent pas faire du vélo, apprendre à faire à, à nager ou à faire du crawl ou quoi. Et sur Internet, as tellement des personnes charismatiques et as tellement de personnes qui font des vidéos, ou des tutos, ou qui ont des blogs que tu peux tout à fait trouver quelqu'un qui te passionne. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, sur Internet, tu peux, tu choisis tes profs, tu vois. Et euh, sur Internet, tu peux faire exactement tout ce que tu peux pas faire à l'école. C'est-à-dire que de un, tu choisis les matières que tu veux étudier, et de deux, les matières, enfin les, les trucs, tu vois, les passions, les, les domaines et tout. Et de deux, tu choisis tes profs. Donc en fait, c'est l'école, c'est l'école, comment dire. C'est l'école utopique, c'est le truc de ouf, tu vois. Et en plus, t'as même pas à payer, c'est gratos. Enfin, c'est pas gratos, enfin, je sais pas si t'as free, oulala. Là là si t'as free c'est deux euros par mois mais c'est peut-être pas toi qui paye l'abonnement internet tu vois mais tu vois tu peux faire ça et de cette façon là tu tu te feras plus jamais chier tu vois tu te feras plus jamais chier si t'apprends toujours des trucs et et si t'apprends toujours des trucs euh, venant de gens que t'adores qui ont du charisme ou quoi mais c'est la vie c'est tu sais. enfin c'est un truc de ouf en vrai quand t'y penses comme ça si tu si tu prends internet comme ça en plus tu tu enfin c'est vraiment ça l'utilité d'Internet au fond tu vois. Bon je sais qu'on regarde tous des vidéos à la con sur YouTube et tout on se perd et tout mais ça c'est normal tu vois c'est le vice humain tu sais quand ils ont créé l'encyclopédie ou quand internet est sorti même euh, les gens disaient que dans 20 ans tout le monde serait des tout le monde serait euh, serait des génies, tout le monde serait des scientifiques de ouf et tout, tu vois. Et regarde, ça la nature humaine prouve bien que au final non, tu vois, nous ce qu'on fait d'internet, c'est qu'on va sur Facebook, on est tout le temps sur les réseaux sociaux et tout. Mais c'est normal, mais c'est la nature, mais il suffit juste de se reprogrammer et de se dire OK, je vais je vais je vais faire quelque chose d'utile quand je me fais quand je me fais chier au lieu d'aller sur Facebook, je vais chercher un tuto sur comment dessiner un bateau, tu vois. Et, euh, et, et, et chaque jour je vais dessiner un peu plus Et ce qui est génial c'est que c'est il faut que ce soit un truc qui te passionne tu vois et quand c'est un truc qui te passionne t'as envie vraiment d'y arriver tu passes du temps avec quelqu'un que t'adores peut-être que tu, tu passes déjà du temps euh, peut-être que si tu passes du temps avec moi c'est que t'aimes bien certains trucs dont on parle c'est que je suis un peu une sorte de prof mais je suis aussi ton pote tu vois je suis pas un prof je veux dire je suis je suis un miocho tu vois je suis une merde en vrai mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est que si tu regardes mes vidéos c'est que tu m'aimes bien et t'aimes bien de quoi on parle donc tu peux tout à fait faire ça pour des mini passions comme ça que t'as depuis que t'es tout gosse au lieu, de, au lieu de faire comme tous les, tous les autres attardés là, enfin, tu vois, faut pas faire comme eux, tous ces gens qui passent leur temps sur Facebook et tout. Enfin, je te dis ça en vrai je le fais tu vois vraiment je devrais, je devrais être moins violent avec ça Mais tu vois ce que je veux dire Faut, faut qu'on soit un peu moins con en vrai Faut qu'on qu utilise les choses qu'on a à notre portée un peu plus intelligemment quoi Bon voilà moi je vais te laisser là J'espère que le message est passé Dis moi ce que t'en penses Et, et dis-moi ce que tu veux étudier tu vois Dis-moi ce que tu en penses aussi de ce délire un peu de sport là. J'aimerais bien te montrer un nouveau trick là, mais je pense que je vais me casser la gueule si je le fais avec le micro. Donc je vais te mettre des images juste après. Bref, moi d'ici là, je vais te laisser. Attends, il faut juste que je te montre un truc. C'est une super casquette que j'ai trouvée. Regarde. Hop. Alors c'est une casquette de chasseur. Alors les vegans vont rager, tu vois. Mais c'est une casquette de chasseur parce qu'ici c'est une ferme de chasseur. Regarde. Est-ce que c'est pas. La grande classe, t'as eu J'ai une LED sur ma casquette, qu'est-ce que ça tue pas En vrai, euh, comme ça, la, la prochaine fois que je vais en camping, je pourrai éclairer et en même temps avoir la classe, tu vois. Bon allez, je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Tiens mon ami.